L'écriture, c'est l'outil principal, l'outil le plus efficace de l'humanité pour faire passer du sens. Et donc, c'est surtout un outil. Et la calligraphie fait quelque chose d'étrange, c'est-à-dire de mettre en valeur, de faire en sorte qu'un outil soit beau. Cette espèce de contradiction me fascine. Ce que j'aime dans la calligraphie, c'est qu'elle pousse rapidement à la rêverie. Particulièrement quand il s'agit d'une écriture qu'on ne connaît pas, si on voit du chinois, de l'arabe, de l'araméen, du babylonien, des écritures cunéiformes, des idéogrammes. Malgré que la calligraphie ait d'abord un sens, moi, a contrario, ce que je cherche, c'est l'esthétique. Ce que j'appelle signe de base, c'est en fait le plan de ma peinture. C'est-à-dire que c'est une espèce de lettre, comme la peinture est quand même assez grande. Donc je fais un signe, une seule lettre, une lettre que j'invente. Donc je fais cette espèce de lettre et puis je m'astreins à la décorer le mieux possible, c'est-à-dire à l'enluminer comme le faisaient les moines du Moyen Âge. Et à partir de là, je tombe un peu sur... je ne sais pas dans quoi je me lance, mais le principe c'est ça. Un signe de base, donc une lettre, et puis l'enluminer. Beaucoup de mes peintures sont basées sur ce travail. Il y a certaines écritures qui me fascinent particulièrement. L'écriture chinoise, parce que ce sont des idéogrammes, et passe directement du papier à l'idée, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas, contrairement à nos écritures européennes, où chaque lettre correspond à un non, eux, c'est directement l'idée, c'est le travail de l'esprit uniquement. Et donc, cette façon de faire pousse à la méditation. Les bouddhistes utilisent l'écriture, la calligraphie, véritablement, pour accéder à la méditation. Et ça ne m'étonne pas, parce que moi, ça me plonge directement dans la rêverie. Il y a aussi la calligraphie arabe, puisqu'ils ne pouvaient pas représenter Dieu comme un humain, comme le font les chrétiens, eh bien, ils ont développé des calligraphies plus extraordinaires les unes que les autres, dont ils ont tapissé leurs mosquées. Ça donne des choses magnifiques, quoi, vraiment extraordinaires, qui me laissent absolument pantois. Et sinon, en dehors des écritures, il y a les logos. Donc les logos des firmes, les logos publicitaires, parce que c'est un espèce de concentré à la fois de sens, d'esthétique, une couleur, une ligne, et tout est dit. Et souvent c'est magnifique. Cette simplicité, cette efficacité, ce côté commercial en fait de la chose, parce qu'on veut atteindre sa cible, c'est le but du commercial. Les petites icônes aussi des ordinateurs, parce que justement, elles essaient, avec très peu de choses dans un tout petit espace, de représenter quelque chose qui fasse directement comprendre à quoi sert, donc l'icône, donc c'est un espèce de bouton, hein, à quoi sert ce bouton. Déjà, ça me stupéfie, parfois la réussite dans ce travail. J'essaye de m'amuser avant tout, de m'étonner avant tout. J'aime beaucoup rêver et pour cela même, la calligraphie, les signes, d'essayer d'aller chercher derrière les peintures, le plan des peintures, tout ça m'a construit et tout ça se ressent dans mes peintures. Je peux très bien
dessiner un visage, un bateau, mais d'essayer de le faire d'une manière la plus simple et la plus épurée possible pour que, en cherchant bien, on puisse imaginer qu'il ne s'agit que d'une simple lettre.